الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Chamoun, où est Kemal? Quand on a pris le camion en sortant du bateau, ils étaient là à nous attendre. La police? Le lieutenant, oui, avec plus de 20 policiers, ils ont eu Kemal. Le camion, où est-il? Il est là, dehors. Alors amène-le ici. Allô? Oui, c'est Sonia. Notre affaire du pont de Galata n'a pas réussi. Kemal. Oui, bien sûr. Héroïne de premier choix. Ça vaut 5000 dollars le paquet. Sonia, qu'est-ce qu'ils ont dit en apprenant que Kemal a été arrêté? Que crois-tu qu'ils aient dit, Chamoun? Alors, Kemal, tu sais ce que j'attends. Allons, je t'écoute. Vous avez fait du beau travail, lieutenant. On a eu de la chance, colonel. Nous en avons tous de temps à autre, bien heureusement. Il s'agit de l'exploiter si on veut avoir de l'avancement. Bon, revenons à notre ami. Oui, qu'est-ce que tu crois? La police a son garage juste derrière la maison. C'est la sixième grille, tu en es sûr? Oui, oui, je les ai comptées. Bon, je ne voudrais pas me tromper de boîte à lettres. Attention! Je ne comprends rien du tout. Comment peuvent-ils tout savoir? Oui, comment savaient-ils qu'il était ici, lieutenant? Comment savent-ils toujours tout à l'avance? Mystérieux Jason King, qui ose me remplacer? Scénario Donald James, réalisation Cyril Frankel. Le colonel Davout nous a expliqué la situation actuelle à Istanbul, donc nous savons à quoi nous en tenir. Une organisation internationale semble-t-il assez structurée pour tuer un de ces hommes avant qu'on l'ait interrogé. Et assez riche pour avoir des contacts dans tous les milieux. Istanbul est en réalité le cœur du problème, la plaque tournante de la drogue venant de l'Orient. La drogue est acheminée pour raffinage jusque dans le
dans le secret des laboratoires clandestins d'Europe et d'Amérique. J'ai été chargé par notre commissaire général, qui est le chef de la police, d'appuyer une action internationale urgente. Sachez, messieurs, que la balle est entre vos mains. Ce que vous venez de dire, colonel, indique la nécessité d'envoyer un de nos agents sur place pour tenter de trouver puis de combattre cette organisation. Je suis d'accord. Donc, j'aimerais saisir l'opportunité et suggérer que nous envoyons un officier de Scotland Yard. Oh, un moment, s'il vous plaît. Si vous proposez un candidat, je crois qu'un officier de la Sûreté nationale pourrait mieux pardon, encore... Pardon, je pense à quelqu'un de notre bureau. Les narcotiques s'occupent de ça depuis plus de 30 ans déjà. Pardon, je crains que ce ne soit pas une recommandation, Monsieur Smith. Nous avons chez nous Sergei Sergeyevich Nitsor. C'est le plus compétent de tous. Bon, toujours pareil, sans issue. Voyons un peu, colonel. Je comprends que chacun de nous mette son prestige en jeu, c'est bien naturel. Donc, ce qu'il nous faut, ce serait la possibilité d'une solution. Voudriez-vous venir, Monsieur Ryland? Oh, bien sûr, Monsieur le Président. Mes respects, messieurs. Je suis venu jusqu'ici, disons, à la demande de votre président, à cause peut-être de mes connaissances de certains milieux, et en particulier d'un homme qui est amplement versé dans tout ce qui touche au monde du crime. C'est un homme honnête, bien entendu. Quelle est sa nationalité? Un moment. Non. Laissez, monsieur le président. En ce qui concerne sa nationalité, voyons, son dossier nous dit que sa mère était française et comtesse, tandis que son père, nous le savons de source sûre, était un descendant d'une éminente famille russe exilée après la Révolution. Un tsariste. Enfin, il aura au moins du sang russe dans les veines. Pour votre information, monsieur Smith, côté américain, sa famille a réussi à produire non pas un, mais deux présidents en un siècle. Alors, je le connais. Il n'y a qu'un homme qui soit tout cela. C'est exact, oui. Ce sera peut-être un peu difficile, je le sais. Mais je crois que je le convaincrai. Alors, dites-nous donc, qui est-ce, cet oiseau si rare? Eh bien, j'aurais cru que vous le saviez. Chacun connaît le nom de... Jason King. Mademoiselle Harvester a dit de vous conduire à elle dès votre arrivée. Si vous arriviez, bien sûr. Il semble que je sois là. Venez par ici, monsieur. C'est un plaisir de vous suivre. Bonjour. Merci. Bonjour. Jason, enfin. Nicole, est-ce bien vous? Êtes-vous sûr que ce soit pour le mieux? Oh, bonjour, mademoiselle. Je suis venue attendre quelqu'un. Où étiez-vous donc passé? Depuis quand? Ça fait une semaine que j'essaie de vous rejoindre. Oh, j'étais en voyage, c'est simple. C'est vous qui avez eu l'idée d'un voyage aux Bahamas. Notre affaire aurait dû vous y retenir à peine... 24 heures. Vous y êtes resté 2 mois. Vous savez, comme je prends les choses à cœur, j'ai voulu être sûr que tout se passait bien. Qu'y a-t-il donc de si intéressant? Aux Bahamas? Je croyais que vous le sauriez. J'ai apporté un petit cadeau. Oh. Ça peut être utile. Merci. Jason, il faut que vous écriviez une nouvelle série. Et un nouveau roman pour la fin du mois. Mais c'est pour ça que je suis revenu, vous le savez. Jason, c'est sérieux, il faut vous y mettre. On ne saurait vivre sans travailler. Vous allez donc retourner à Paris sur le champ et user vos jolis petits doigts jusqu'à l'os à taper sur votre machine. Je trouve que cette crème change votre personnalité complètement. Vous signerez un contrat. Encore un? Oui. Un contrat stipulant que vous emploierez une secrétaire, que d'ailleurs la société paiera elle-même, et qui s'assurera que vous ne vous occupez que de votre travail. Me suis-je bien fait comprendre, Jason? En fin de compte, je n'attendrai pas. Bon. Mais je choisirai la secrétaire. Si ça doit aider à finir le roman. Sûrement, Nicole, sûrement. Nous sommes donc bien d'accord. Jason, qu'avez-vous dans le dos? Quoi? Sur votre veste. Au milieu du dos. Ah, oh, ça. Ah, oui. Ça, c'est un micro. Un quoi? C'est un modèle collant. On l'a plaqué sur moi. Je ne vois pas trop pourquoi. À cette heure-ci, je n'ai pas grand-chose à dire. Jason, si c'est encore une de vos excuses farfelues, sachez que je ne suis pas dupe. Le récepteur ne doit pas être bien loin. Voyons un peu.
Oh, Jason, vous êtes encore là. Vous devriez être en route pour Paris, déjà. Oui, je pars, Nicole. Je pars. C'est l'avion de Paris que vous voulez prendre, hein? C'est ça. Arrêtez là, c'est bien. Gardez la monnaie. Merci, monsieur. Merci mille fois, cher monsieur King. Excusez-moi, monsieur. Le commandant voudrait vous voir. Merci. Il demande que vous veniez le retrouver. Merci. Vous avez demandé à me rencontrer, commandant. Bonjour, King. Heureux de vous revoir. Asseyez-vous donc. Vous choisissez toujours les plus mauvaises places qui soient, Highland. Et champagne. Oui, je les achète avant de partir, hors taxe, évidemment. Lorsque j'ai besoin de vous convaincre, j'essaie de trouver un argument que vous ne contestiez en aucune façon. C'est difficile, je sais. Sachez que c'est non, Highland. Je sais que vous n'êtes pas très occupé ces temps-ci. Vous voyagez beaucoup, j'ai déjà vérifié. Votre impertinence n'égale que votre suffisance. Mais je tiens à expliquer malgré ça le motif réel de ce voyage. Je suis allé quelque temps à Londres discuter d'une série d'articles et d'un nouveau bouquin. Et j'ai promis de le terminer avant la fin de ce mois-ci. Oh, ce que vous irez faire à Istanbul ne devrait pas exiger de vous plus de quelques jours, Jason. Donnez à Sir Brian mon chaleureux souvenir qu'il pense à faire sa déclaration de revenus. Oh, ça n'a rien de militaire. Sir Brian n'a rien du tout à y voir. Ce n'est donc pas votre nourrice qui vous envoie, Highland? Non, non. Disons que je suis ici en qualité de vieil ami, Jason. Je doute que vous connaissiez ce mot-là. Il n'est sans doute pas dans votre manuel. Vous aurez carte blanche dans toutes vos actions et une garantie internationale. Non, je refuse. Je craignais ce genre de réaction. Essayons encore de nous entendre. Non, vous gaspillez votre temps, monsieur Highland. Non, j'ai tout mon temps. C'est très facile à conduire. C'est plus drôle si on enlève le pilote automatique. Au revoir, monsieur Highland. Merci pour le champagne. Vous devriez revenir, commandant, avant que Highland n'écrase l'avion. La suivante, je vous prie. Asseyez-vous. Mademoiselle... Blackman. Shelley Blackman. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes capable de faire ce travail, mademoiselle? Mon instinct. Le salaire n'a rien d'excessif. Oh, il y a un salaire. Et il arrive que je sois quelquefois... Des plus exigeants. Oui. Est-ce que vous tapez très vite? Est-ce que vous tapez? Êtes-vous sténo? Oh, vous parlez de ces étranges hiéroglyphes, c'est ça? Champagne. Oh oui, j'adore le champagne, c'est qui? Il est difficile de n'être pas surpris par de telles qualifications, mademoiselle Blackman. Vous pourriez trouver sûrement pire encore, monsieur King. Sans aucun doute. Bon, continuons donc notre entrevue. Imaginons une situation. Je travaille sur un roman. Il est tard. Il est très tard. Et j'ai ce soir-là quelques difficultés avec un des chapitres. Quelle est votre réaction? Instinctive, bien sûr. L'emploi est à vous. Des bagages? Oui, dans l'entrée. Alors, vous préparez un roman? On me presse pour que je le finisse en 3 semaines. C'est court, mais avec de l'aide, je devrais y arriver, je crois. Je dois d'ailleurs signer un contrat qui m'autorise à employer une secrétaire qui doit me garder dans le droit chemin. Je suis prête à le faire sans attendre.
J'y vais. Allez. Envoyez-les aux Folies Bergères. Vous pouvez disposer. Téléphone, madame. C'est la compagnie de téléphone. Il paraît qu'il y a un dérangement sur notre ligne. Eh bien, faites, je vous en prie. Je le fais entrer? Oui, oui, bien sûr. Merci. Apportez le champagne, voulez-vous? J'ai un rendez-vous à Fontainebleau avec un représentant du gouvernement. Ça ne va pas être du gâteau. Du gâteau? Je veux dire qu'ils vont désapprouver l'idée que j'ai en tête, c'est certain. Allô, c'est Jojo qui cause. Tu me reçois bien? Quand vous aurez fini, faites-le-moi savoir. Oui, monsieur. Allô? Oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Fontainebleau. Ça y est, essayez la dent. Alors, c'est ce que vous vouliez? Ouais, c'est très exactement ce que je voulais. Je serai de retour au cours de la soirée. Sinon, je vous le ferai savoir. Comment? Vous m'avez interdit de répondre au cas où Madame Harvester vous appellerait de Londres. Et ça ne fait rien. Je sonnerai deux fois et je referai aussitôt le même numéro. Vous saurez ainsi que c'est moi. Très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le petit déjeuner. Ah, je me suis gargarisé au champagne ce matin. Mais c'est très mauvais de conduire sans rien dans l'estomac. Non, je vais m'abstenir. J'ai encore le goût du rouget d'hier soir. Ne décrochez que si c'est moi, surtout. Si Nicole savait où j'en suis, elle débarquerait, nous aurions un bain de sang. Allons, laissez-vous faire, Jason, mangez-en une. Délicieux, vraiment délicieux. Et préparé pour vous, spécialement. Vous me donnerez la recette. C'est déloyal, vous êtes là pour organiser, pas perturber. Emportez-les. Oh non, mettez-les au frais. À 1 degré centigrade, elles seront à point. Au revoir, Jason. Quoi? Au revoir. Oh, au revoir.
que se passe-t-il donc ce matin? Comment ça va? J'agonise. Prenez donc ça. Ça fait du bien? À quoi? À la douleur, bien sûr. Disons que ça la rend supportable. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé au juste? Le plus étonnant est que je ne me souviens pas de cet accident du tout. Envoyez vite un télégramme à Georges, dites-lui que ma jambe est cassée. Eh oui. Le docteur disait que c'était assez unique. Un cas de fracture multiple aggravée de contusions diverses. Qu'en savez-vous? Vous étiez inconscient quand il vous a mis ce plâtre. J'ai entendu dans le brouillard de la douleur. Bien entendu, ça n'était pas un vrai accident. Comment ça? Eh bien, l'analyse du sang a révélé une concentration de barbiturique. Barbiturique? Dans mes veines? Alors, il n'est plus question pour vous d'aller à Istanbul, comme je le voulais. Je le suppose. N'auriez-vous pas été jusqu'à parler de ce voyage à quelqu'un qui en a parlé à son tour? Ce serait possible. Non, pas du tout, non. La seule chose, voyez-vous, King, dès que vous serez mieux... Non, je voulais dire, Island. Non, et je vous jure que cette décision-là est absolument définitive et catégorique. C'est non! Le vol de Paris vient juste d'atterrir, colonel. Merci. Voulez-vous appeler Monsieur Jason King, je vous prie? Ah oui, bien sûr. On demande Monsieur Jason King au bureau des informations, s'il vous plaît. Monsieur Jason King. Monsieur Jason King, en provenance de Paris, est demandé au bureau des informations. Je suppose qu'il était bien dans l'avion. Le télégramme dit qu'on l'a vu prendre l'avion de midi. L'avez-vous vu déjà, colonel? Je ne le connais que de réputation et par les photos de presse qui ont été publiées. Jamais je ne l'ai vu autrement. Voulez-vous essayer encore, mademoiselle? Monsieur Jason King, monsieur... C'est bien, merci. Je crois que c'est lui. Colonel Davoud. Oui. Très heureux. Je m'appelle Jason King. Ah, c'est un plaisir. Voici mon adjoint, lieutenant Nora. Bienvenue à Istanbul, monsieur King. Merci. Et savez-vous, colonel, que mon tout premier Markin se déroule à Istanbul? Vraiment? Oui. C'est une ravissante cité. Il y a tant à voir. Sainte-Sophie, le Topkapi, le crépuscule sur le Bosphore, la grande mosquée. Je crains que vous n'ayez pas le temps pour le tourisme, monsieur King. Oh, pourquoi donc, colonel? Je m'étais pourtant promis à moi-même une semaine de flânerie poétique. Ça fait des années que je ne suis pas venu ici. Monsieur King, nous vous avons demandé pour nous aider d'abord. Oh oui, je vais vous aider. Mais le temps presse. Il y a quelque part dans Istanbul un camion chargé de pure héroïne, le plus gros de tous les chargements jamais interceptés ici. Qui vous a filé également entre les doigts, je crois. Pas de chance. Enfin, ces choses-là arrivent. Vous êtes là pour le retrouver, monsieur King. Et nous l'aurons, colonel, nous l'aurons. Alors, où vais-je commencer cette visite touristique? Sainte-Sophie? Non. Peut-être Bosphore? Non. Non, un verre de ce délicieux raki au marché aux poissons de Galata. Les meilleurs poissons, les plus beaux fruits, les plus beaux légumes, le raki le plus fort que Marquen ait bu dans toute l'Asie mineure. Monsieur King. Ah, Topkapi, c'est là que Marquen a rencontré la merveilleuse Laura. Monsieur King, il faut retrouver ce camion. Et colonel, nous avons le temps pour cela. Nous nous y mettrons très bientôt, soyez-en sûrs. Ah, je vous remercie.
Merci encore. Commençons-nous demain, Monsieur King? Et pourquoi pas? Mais pas de très bonne heure. Je vais revoir encore le Bosphore au crépuscule. Au revoir, colonel. Jason King, n'est-ce pas? Oui, je suis Jason King. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Sonia. Oh, Sonia quoi? Sonia doit vous suffire. Tournez-vous. Est-ce que je vous fais confiance ou non? Essayez, rien ne vous en empêche. Vous seriez sans doute plus séduisante sans cette chose à la main. Je suis ennuyée, Monsieur King. Vous avez la réputation de... La réputation de... D'aider les gens. Seulement les jeunes et jolies femmes. Mais à quel prix? Ce prix, je suis déjà toute prête à le payer. Dites-en plus que ça. C'est mon frère. Oh. Il travaille aussi pour la bande que vous allez détruire. Et alors? Chamoun veut se retirer avant. Il a des renseignements, Monsieur King. Mm-hmm. Il peut vous dire où trouver l'héroïne. Mark Kane braqua ses jumelles en direction de la fenêtre éclairée et la vit telle qu'elle était. Ses belles proportions l'enchantèrent. Il pensa alors que sa vie allait prendre un nouveau sens, mais que faire à cet instant? Pendant qu'elle procédait à sa toilette, qu'elle croyait discrète, la vue de cette magnifique personne lui faisait... Vous ne voulez pas savoir ce que ça lui faisait. Le docteur a dit de contrôler le pouls et la température 2 fois chaque jour. Ah, ça n'a pas augmenté. Ce qui signifie quoi, au juste? Normal, parfaitement normal, rassurez-vous. Voyons, que pourrait-elle faire qui ne choque pas trop les gens de la censure? Ils sont tellement puritains. Voyons cela. Jason, je demande une explication. Nicole! Oh, n'essayez pas le charme, Jason. Expliquez quoi? J'avais votre promesse que vous alliez vous concentrer enfin sur votre roman. Mais c'est vrai. Avant de recevoir une feuille du premier chapitre, j'apprends que vous êtes allé faire des folies de toutes sortes à Istanbul. À Istanbul? Oui, Istanbul. Vous n'allez pas essayer de le nier? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas brisé le contrat, mais ma cheville. Et merci de me demander si je me sens bien. Je vous ai apporté cette fois des preuves irréfutables. Voilà. Expliquez ça, je vous écoute. Où avez-vous eu ça? À notre agence de presse. Vous avez toujours le goût de la mauvaise publicité. Ce n'est pas moi, c'est une mauvaise imitation. Imitation? Vous voulez dire que cette fracture est fausse? Si vous ne faites pas la différence entre moi et lui, vous devriez tout de suite éditer des romans d'amour, Nicole. Hein? Donc vous n'étiez pas à Istanbul? Pas ces temps-ci, non. Vous êtes resté ici à écrire ce roman? Je ne suis pas sorti. Oh, dans ce cas, je n'ai plus rien à vous dire, alors. Une réputation complètement lacérée et vous dites que tout va bien. Donnez-moi le téléphone. Regardez ces ridicules attitudes. C'est une aberration, un véritable scandale. Oh, quelle tenue. Eh bien, je vous attends. J'espère qu'il n'est pas sorti. Istanbul. J'avais été si discret quand j'y suis allé. Allô, ici Rylan. Bonjour. Oh, King. Alors, comment va la jambe aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas pour ça. Écoutez-moi, espèce de truqueur de basse classe. Si vous ne tenez pas à avoir une double et même triple fracture aux deux jambes, vous avez intérêt à vous expliquer sans perdre de temps. Attendez une minute, King. Si nous discutions de ça en partant des faits chronologiques, j'ai vu qu'un homme jouait votre rôle. C'est de ça que vous voulez parler, je suppose. Comment est-il possible de vous imiter? Voyons. Une personnalité aussi forte que la vôtre. Il faudrait être un acteur de génie. Je sais, c'est impossible. Il y a pourtant un homme qui essaie de détruire la belle réputation que j'ai laissée sur le marché. Le camion d'ici? Oui, dans la vieille étable. Et votre frère? Il est là, lui aussi. Mmh. Thank you.
connaissez votre frère? Ça va bien, Chamoun. Vous me surprenez, Monsieur King. Ah oui? J'avoue que je n'aurais pas cru vous avoir si vite que ça. Oh, avec votre histoire de frère, je n'ai pas cru une seconde. Expliquez, voulez-vous? Ça suffit, Sonia, le temps presse. Nous devons exécuter les ordres reçus. Une minute, Chamoun. Monsieur King m'intrigue un peu. Il essaie de gagner du temps et voilà tout. Oh oui, je le sais. Mais il n'y arrivera pas. Alors, Monsieur King, vous n'avez pas cru ma petite histoire, on dirait. Pourquoi êtes-vous venu? Denaz vint encore une année et allez vite jeter la barrique dans le Bosphore. J'ai posé une question, Monsieur King. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que, ma chère enfant, j'espérais vous contacter aussitôt arrivé à Istanbul. Il essaie de nous jouer un tour. N'est pas sûr, Chamoun. Continuez, Monsieur King. Je suis réaliste, Sonia. Je sais bien qu'un homme seul ne tient pas devant une organisation internationale. Nous ne sommes pas dans le monde de Mark Kane. Alors, pourquoi avez-vous accepté? Certaines pressions que j'ai subies. Je n'ai pas toujours été du côté de la loi, vous savez. Alors, je suis venu à Istanbul sans me faire d'illusions. Vous pensez ne pas réussir? Hélas, oui. Oh, j'arriverai sûrement à faire des ennuis à votre groupe d'Istanbul. Ça peut toujours se faire. Mais je serai un homme marqué. Vous êtes très réaliste. Vos gens verraient des tueurs à gages contre moi à Paris, Bruxelles, New York et Londres. Et un beau jour, sans doute... Alors? Alors, je vous offre un arrangement. Je donne des renseignements sur tout le réseau européen de lutte contre la drogue. Ça vous sera utile. Contre quoi? Oh, je suis raisonnable. Je l'offre contre ma vie. Laisse-moi m'en occuper, Sonia. Non, attends. Je veux réfléchir. Nos ordres sont catégoriques. Chut. Écoute. Jette un coup d'œil. C'est la police. Ils viennent de ce côté. Sortons d'ici. On va essayer par en haut, Chamoun. Et le camion? On ne peut pas le sauver, tant pis. Et lui? Voyez-vous une raison pour que je vous laisse, Monsieur King? Non. À moins que vous ne teniez à sauver la cargaison d'héroïne. Vous lui feriez passer le barrage de police? Si c'est un passeport pour ma sauvegarde, je vais bien essayer. Alors allez-y. Bonne chance, Monsieur King. Lieutenant! Oui, colonel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suivais King depuis le bateau. Une femme l'accompagnait. Nous ne les retrouverons plus maintenant, bien sûr. Ils se sont enfuis en passant par le toit. Enfin, nous avons l'héroïne, à défaut de Jason King. Nous gagnons au change, à mon avis, colonel. Mettez un garde en faction ici, et à l'avenir, consultez-moi avant d'agir. Oui, colonel. Sergent. Shelley. La secrétaire de Monsieur King. Oui. Oh, je vois. Bien sûr. Qui est-ce? Entendu, je lui en ferai part. Merci. C'était votre agent de Londres, Nicole. Elle a demandé à me parler. Elle a dit qu'elle rappellerait. Elle ne veut surtout pas troubler votre inspiration. Que voulait-elle? Elle a entendu une nouvelle à la radio. Quoi? Il semble que votre double soit en difficulté. Et quel genre de difficulté? Elle a dit qu'à Istanbul, la police a lancé un mandat d'arrestation contre Jason King. Oh, je vous assure, mon cher King, que ça n'est rien du tout et que je vous aurais dit... Gardez vos excuses, Ryland. Donnez-moi l'explication. C'est assez embarrassant. Et... Allons, j'écoute, Ryland. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Vous paraissez très fatigué, la température. Est normal. Et pas tout à fait. Changez de thermomètre. C'est le quatrième en moins de 2 jours. Ils sont fabriqués à Hong Kong. Écoutez, King, je reconnais que je dois une explication. Oui, il serait temps, Ryland. Au fond, c'est très simple, King. Disons qu'il apparaît que vous êtes passé de l'autre côté. Quoi? Oh, je sais que la presse en a parlé, et ça m'a désolé, mon cher King. Cessez de vous excuser. Dites-moi donc quel rôle vous me faites jouer. Allez-y. Mais dites aussi comment j'en suis arrivé là. Avec charme, avec aplomb. Comment? Non, non. Avec ignominie, hélas. Je veux faire une conférence de presse à l'instant, et je veux tout démentir dans l'heure qui suit. Hélas, ça n'est pas possible. Pourquoi? Cela mettrait en danger notre correspondant. Votre correspondant? Ne dites pas que ce misérable clown à Istanbul est un de vos agents. Où sont les coupures de presse?
Je connais cet homme, je l'ai vu auparavant. Mais oui, c'est en effet possible, l'ouvrier du téléphone. Et dans le taxi, le chauffeur. Et le steward de l'avion. Et d'autres. Cet agent s'appelle Alfred Trim. Il est du service, bien entendu. Il a étudié quelque peu vos habitudes, vos manières, vos façons. Trahison de Brutus. C'est la douleur qui a tué César. Oh non, non, n'en veuillez pas, mademoiselle Blackman. En fait... Je suis réellement navrée, Jason. Elle n'a fait qu'obéir aux ordres, tout comme moi, d'ailleurs. Qui aurait pensé que Trim irait aussi loin? Où croyez-vous qu'il allait aboutir, hein? Mettez-vous à ma place un instant. Vous étiez le seul que le comité avait accepté, King. Je savais que vous refuseriez d'y aller. Alors je me suis contenté d'une substitution. En utilisant mon nom et en détruisant une belle réputation que j'avais laissée là-bas. Je savais que vous aviez monté Sarah Island. J'en étais sûr. C'est bien votre genre. Mais King, il a fait tout ce qu'il pouvait. Oh, j'en suis sûr. Il avait juste à m'imiter et à jouer les comiques de théâtre, votre vim. Non, Trim. De quoi ai-je l'air maintenant, moi? Peut-être serait-il souhaitable que vous preniez à l'instant les choses en main. Non, ne faites donc pas de plaisanterie. Oubliez-vous mon accident? Oui, votre double triple et si étonnante fracture. Oui, ma double triple et si étonnante fracture, Ryland. Oui, je suis sûr que ça ne vous fait pas trop mal, King. Comment ça? Excusez-moi. Mais que faites-vous donc? Eh bien, je crois, en y réfléchissant, que se faire une fracture double ou triple est en somme une chose rare. On ne peut pas dire que cela vous fasse très mal. Jason, vous avez juste cassé votre petit orteil. Vous allez sûrement avoir le plus incroyable des cerveaux fracturés que j'ai vu, Ryan. Maintenant, je sais que vous allez vous rendre à Istanbul et mettre un terme à toute cette curieuse comédie. Vous avez carte blanche, je garde le compte. Sortez! Je dis à Trim que le vrai Jason King est en route. King. Dehors! Voyons, je me demande si j'ai tout compris, Monsieur King. Vous n'avez encore rien fait depuis que vous êtes arrivé et vous ne comptez pas faire quoi que ce soit. J'attends que Trim fasse quelque chose qui me mette sur les traces de ce camion. Mais nous n'avons hélas pas assez d'agents pour faire des recherches. Ses ordres sont de me contacter dès le moment où il aura réussi à dissimuler le camion d'héroïne. Mais peut-être perdons-nous du temps. Colonel, avec les criminels, sachez qu'il y a un temps pour agir très vite et un temps pour attendre et voir venir. Je le sais, oui, je le sais, Monsieur King. Mais si ça dépendait de moi, je dirais que dans notre situation, mieux vaut agir vite, non? Je ne vous apprendrai pas comment ce genre d'opération se déroule, colonel. Chaque chargement d'héroïne est attendu impatiemment. L'héroïne qui est dans le camion est déjà distribuée. Le hasard est une chose que ce genre d'organisation ne peut s'offrir sans danger, colonel. Les revendeurs pressent les distributeurs pressent les approvisionneurs, et les approvisionneurs pressent les transporteurs, c'est bien normal. Êtes-vous bien sûr de cela, Monsieur King? Oh, je les ai vus à l'œuvre, tellement de fois déjà. Chacun veut sa part très vite. S'ils voient leur profit échapper à leurs mains avides, à chaque niveau de ces affreuses opérations, on a des soupçons et l'on commence à se méfier de ceux qui vous entourent. À un moment, l'un d'eux se trompe et toute l'organisation vacille et craque de toutes parts, et c'est à nous de jouer. Ah, je rends hommage à votre sagesse, Monsieur King. Alors? Comment veux-tu trouver une aiguille dans un tas de foin? Un homme dans une ville qui en compte 2 millions. Il faut trouver ce camion. Nos clients commencent à devenir très pressants. Tu as expliqué la situation? Oui, je leur ai expliqué tout. Mais peut-être qu'ils ont eu du mal à me croire. Tu as fait les petits hôtels? Tu sais combien il y a de petits hôtels dans le centre d'Istanbul? Il faudrait de l'aide. Ils ne voudront pas en donner. Nous devons leur trouver tout seuls. Nous attendons encore, colonel? Tant que Jason King le dira, oui. Nous attendons. Park Hotel? Allô, je voudrais laisser un message pour Monsieur Jason King. Oh, rien qu'une adresse. Il n'y a pas de nom, monsieur? Bien sûr, monsieur. Oui, Monsieur King l'aura. Donnez-moi ce message. Oui.
Oh non, non, pas du tout. J'allais prendre l'air un instant. Oh, des nouvelles de Dream? Excellent. Alors je vous attends près de l'entrée. Je serai dans l'auto, oui. C'est ça. Cela semble se précipiter. Retournez à votre bureau et tenez-vous prêt à intervenir dès que King aura trouvé Alfred Trim. Galata, rue Chimal. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas qu'on vous protège, Monsieur King? Non, merci, colonel. Très souvent, les policiers me font perdre mon sang-froid. J'irai tout seul. De toute façon, vous savez où je suis, si vous en avez besoin. Nous allons peut-être avoir de l'action cette fois. Trim? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Attention! À cette distance, il serait difficile qu'il en soit autrement, non? Oh, un comparse sans aucun intérêt, j'en suis sûr. Vous avez eu la fille? La fille? Oui. Ah, celle que j'ai croisée dans l'escalier, cheveux noirs, vêtue de bleu. Et oui, c'est ça. Ils devaient rechercher le camion. Leur avez-vous dit où il était caché? Oh, j'ai dit dans un vieil entrepôt qui se trouve près des dents. Bravo, Trim, la fausse piste classique. Où sont mes cigarettes? La fausse piste? Vous ne croyez pas qu'un agent du genre de Trim va leur dire la vérité? Une arme braquée sur moi, je ne dis pas. Où est-il dans ce camion? Postez vos hommes autour de la rue Tcherkassy, c'est tout près d'ici. Entendez. Je vais faire enlever ce corps dès que possible. Où serez-vous, Monsieur King? Mon premier souci sera de remettre Trim dans l'avion de Londres avant que ma réputation ait souffert davantage. Bien, je vous laisse. La rue Tcherkassy, je n'ai jamais entendu ce nom. Je ne suis pas surpris de cela. Au fait, je m'appelle Jason King. Nous n'avons pas été vraiment présentés encore. Je suis très heureux. Alfred King. Oui, je sais. Je leur ai dit la vérité sur la cachette. J'étais menacé, je n'ai pas eu choix. Le camion est dans le vieil entrepôt. J'en suis certain. Mais vous avez dit un chat parmi les pigeons, citation de Mark Kane dans Bon Baiser de Chine. Vous, vous êtes plutôt le pigeon parmi les chats. Je suis surpris que vous soyez encore vivant. D'ailleurs, un homme qui porte ce genre de pochette mérite de se faire abattre. Je téléphone et nous partons aussitôt. Sonia. Sonia, c'est moi, Davout. Colonel, que venez-vous faire ici? Allons jusqu'à la rue Tcherkassy et vite, il faut récupérer le chargement. Nous avons perdu assez de temps. La rue Tcherkassy? L'héroïne doit y être. Trim y a laissé le camion. Mais non, il est encore ici, colonel. Pourquoi est-ce que King dit que le camion d'héroïne est caché dans la rue Tcherkassy? Il aura voulu vous égarer. M'égarer? En tant que colonel de police, vous auriez dû envoyer un appel radio pour amener des renforts rue Tcherkassy. Lorsque j'ai appelé le lieutenant, il attendait patiemment vos ordres, colonel. Sonia, le camion en route. Exécution, allons. Et non, par ici, colonel. Voyons, voyons.
Vous êtes beaucoup plus séduisante sans cette petite chose dans la main. Alors, on reprend au début. Je me nomme Alfred Trim. Sachez une chose très intéressante, King. Lorsque j'étais à l'école de police... Continuez. Je touchais la cible 19 fois sur 20. Et sur une cible mouvante. Je n'ai pas perdu la main. 19 fois sur 20. Tous mes compliments, colonel. Et sur une cible mouvante, en plus. Manqué. C'est dommage. Je ne suis jamais allé à l'école de police, mais j'ai appris tout de même à compter jusqu'à 9. Ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus de cartouches. C'est bon. D'accord, King. Vous gagnez. Allons. Mais vous... vous n'avez rien contre moi. Vos accusations ne peuvent pas tenir. Il se peut que vos amis pensent le contraire, colonel. Ils ont appris déjà et de sources autorisées combien vous aviez aidé les forces de police. Vous avez fait ça? Mais oui. Mais ils vont me tuer. Ils vont trouver un bon moyen. Ils me tueront au tribunal. En prison, peut-être, ils réussiront. Ils ont des moyens. Alors prenez l'aide vitesse et dites-nous où on peut les trouver, colonel. Avant qu'ils ne vous trouvent. Jason, c'est merveilleux. Vous croyez, Nicole? Oh, c'est passionnant. Ah oui. Et intriguant. Oui. Et c'est aussi très original dans l'approche. Vous croyez ça? Je dirais que j'ai une toute nouvelle impression. Laquelle? Est-ce que je l'emporte à Londres avec moi? Bien sûr. Je vais prendre l'avion de 4 heures. Vous devez vous en aller? J'en ai peur, oui, Jason. Je vous appellerai demain, nous aurons une autre discussion sur votre roman. Je dois dire, j'ai une curieuse impression. Vous avez changé de style. Je suis sûre que le public va adorer cela. J'en suis très flattée. Un nouveau héros. Oh, désolé, Jason, je dois m'en aller. Je vais rater l'avion. Je ne peux pas rester. J'appelle demain comme promis. À bientôt. J'arrive, Jason. Ah, Jason, avez-vous donné mon roman à Madame Harvester? Quoi? Oh, oui. Alors, vous a-t-elle dit quelque chose? Vous voulez la vérité? Ah oui. Elle trouve l'histoire d'une certaine banalité dans l'ensemble, mais ce n'est qu'une opinion. Ne désespérez pas. Il existe bien d'autres publications. Une publication pour les enfants, par exemple, il faut bien commencer. Ou alors, faites un essai de roman d'amour vécu, qui sait?